Jamais fait faux bond, Général Krang. Vous devriez savoir que je pars toujours à toute éventualité, Shredder. Dois-je en déduire que vous êtes prêt pour la suite? Tout est en ordre, Général. Excellent. On commence alors. Oui, commençons. Bon, les gars, je veux dire, vraiment pas bon du tout. Je n'ai jamais vu une chose pareille. C'est la même chose dans toute la ville. La criminalité bat tous les records. On dirait bien que nos vieux adversaires ont décidé à nouveau de faire des bêtises. Je ne suis pas sûr que le terme bêtise soit très approprié, père. Tu as raison, Donatello. Quelle que soit leur motivation, l'honneur nous commande d'intervenir, mes enfants. Mais il est impératif de faire preuve de prudence. Comme toujours, nos ennemis sont très dangereux, et surtout imprévisibles. Ouais, c'est sûr, mais c'est pas les seuls. À propos d'imprévisibles, où est Mikey? Par ici, les gars. Je viens de trouver un reste de pizza dans le frigo, et l'honneur me commande de la manger avant de partir. L'honneur, tu dis? Oh, pitié! C'est juste une pizza, Mike, allons-y! Noble pepperoni, vertueuse mozzarella. Les mecs, regardez ça! C'est les foots! Qu'est-ce que ces satanés foots peuvent bien faire ici? La dernière fois que je suis passé, c'était le territoire des dragons pourpres! Hein? Minable! Habituellement, j'essaie de réfléchir avec ma tête, mais sérieusement, quand je pense à ce qui nous attend, mon estomac en est tout retourné. Moi, mon estomac, il dirait pas non à une pizza géante aux anchois et à la saucisse. Oublie ça, Mikey. On doit découvrir ce que mijotent les foots. Allons-y. Ok. Rien qu'aux anchois, alors. Vous m'entendez? Apparemment, Bebop prépare un gros coup. Et avec lui, il faut s'attendre au pire. C'est inné chez moi. J'ai encore quelque chose sur mon radar. Avec les infos qu'on a récoltées, j'ai pu localiser Bebop. Il est à la banque. Alors les gars, si Bebop essaye d'accéder au coffre, est-ce que ça en fait un cochon tirelire? Léo, tu peux lui parler? Je suppose qu'il veut rapporter du bacon à la maison. Pitié, pas toi Léo. J'en mangerai par dizaines. Si vous croyez vous débarrasser aussi facilement du vieux Bebop, vous vous mettez le doigt dans l'œil.
que Bebop est le meilleur! Et voilà comment le petit cochon... est rentré chez lui. Ouais, mais il a laissé tomber quelque chose en chemin. Qu'est-ce que c'est, Don? De l'argent, beaucoup d'argent. Mais pourquoi dévaliser une banque et abandonner le butin juste après? Sans blague. Imaginez ce qu'on peut faire avec un tel butin. Allô? C'est bien la pizzeria chez Rupert? Ouais. Je voudrais 2000 pizzas géantes au fromage et au pepperoni. Plus 5000 graissins à emporter, s'il vous plaît. Ah, désolé, mec. Faux numéro. Vous aviez raison. Les Foots sont à l'origine de ces crimes. On vient juste de les croiser. Ce n'est pourtant pas une zone où on s'attend à les trouver. Rien n'est normal dans cette histoire, Léo. Les rapports font état de problèmes partout en ville. C'est de la folie ici. Plus qu'en temps normal, tu veux dire. Alors, Mikey, elle est réchauffée, cette pizza, ou quoi? Parce qu'on n'a pas toute la nuit. Patience, mec. Comme dit le vieux sage, la perfection prend du temps. C'est un micro-ondes, idiot. Si Shredder et ses sbires préparent un assaut de grande ampleur contre cette ville, alors nous sommes perdus d'avance. Nous devons compenser notre infériorité par la discrétion et la ruse. Et on va devoir creuser un peu plus pour découvrir ce qu'ils manigancent. Ouais, creuser plus et frapper plus fort. En parlant de creuser, c'est prêt. Tout droit sorti du micro-ondes. Bon, faut y aller. Super, Mikey. Je meurs de faim. Super. Merci, mon fils. Je l'avais bien dit, la perfection. Je suis un artiste, le Michel-Ange de la pizza. Je... Attends une minute. Bon, les gars, faut y aller. On a des méchants à chasser. Mais... je... Tu mangeras ta pizza plus tard, Mikey. Plus tard? Père? Comme dit le vieux sage, qui va à la chasse, perd sa place. Non, oh, je déteste les vieux sages. Mec! C'est l'une des armoires de commande du métro. Si les Foots sont dans le coup, ils n'ont pas utilisé d'armes conventionnelles. C'est impossible qu'une épée fasse de tels dégâts. April, tu vois ce qu'on voit? Oui. Et apparemment, des armoires de commande ont été détruites un peu partout dans le métro. Je pense que quelqu'un s'attaque délibérément au train. Allez, les gars. Le travail nous appelle. Ouais, au travail. Mec. Comment les Foots ont-ils pu arriver si bas? Vous devez trouver un moyen de les arrêter. J'ai intercepté des communications ennemies et je crois qu'ils préparent un gros coup. Je vous envoie les coordonnées. Certaines zones ne sont accessibles qu'en train. Si vous ne savez pas où aller, essayez de monter à bord. Votre prière. C'est fini. Je ne prendrai plus jamais le métro. T'as peu de chance de rencontrer un rhinocéros sur ton trajet quotidien, Mikey. Quel trajet quotidien? Il passe ses journées à jouer à des jeux vidéo sur son canapé. Avant de critiquer, tu ferais mieux de balayer devant ta porte. Aïe. Allons-y. Occupons-nous d'eux, les gars. Allons. Thank you.
désolé de jouer les trouble-fêtes, mais t'es pas un peu grand pour jouer au petit train? Une fête? Ah! Vous n'avez encore rien vu, stupide tortue! Non, crétin! La fête commence à peine! Oh, oh mais il est passé où? Waouh! C'est comme un lapin de magicien! Sauf que c'est pas un lapin, mais un horrible rhinocéros maboule. Attends, mais qu'est-ce que cette tarée veut dire par la fête commence à peine? On n'a pas le temps pour ça. Il faut qu'on prenne notre train. On va adorer les égouts et leurs sales odeurs qui s'imprègnent. Les détecteurs d'alarme que j'ai posés un peu partout captent d'étranges mouvements dans tout le réseau d'égouts. Et là, ça sonne dans tous les coins. Je suis vraiment pas rassuré de savoir que la petite armée de tarés de Shredhead est si près de chez nous. Protéger notre père des fous est le cadet de nos soucis, Raph. Cette partie des égouts est le territoire de Slash. Et chacun sait qu'il n'aime pas les visiteurs. Aucun visiteur. Non, mon grand. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Les gars, Léo a trouvé la cible. Rejoignez-le tout de suite. Désamorcez les bombes avant qu'il soit trop tard. Bien joué, les garçons. Il ne devrait plus en rester. Problème ! Oh non, on n'avait pas besoin de ça. Bon, je crois qu'on va devoir l'affronter. Mollo quand même ! Parce qu'intérieurement, c'est un grand sensible. Mais extérieurement, il a des griffes et des piquants énormes, Mikey. T'as pas choisi le bonjour pour te frotter à moi. C'est cool. On n'a pas l'intention de squatter chez toi. On essaie seulement d'arrêter les foot. C'est tout. Foot méchant. Ouais, entièrement d'accord. Et nous, on est les gentils, compris? Alors dis-moi, mon grand, tu sais ce que manigance les foot? Oui, foot transporté. Canons spatiaux. Il a dit canons spatiaux? Slash fatigué. Dodo maintenant. Des canons spatiaux? Est-ce que tu as appris quelque chose d'autre, Leonardo? Non, père. Rien d'utile, en tout cas. La seule bonne nouvelle, c'est que la police a imposé un couvre-feu, ce qui, pour l'instant, nous met à l'abri des regards. Ouais, espérons que ces crânes d'œufs auront une petite idée de ce qui se passe. Ça y est! Les gars, il faut aller voir.
Avec April, on a analysé les données collectées jusqu'à présent pour les comparer avec les dépêches d'actualité, mais également les communications radio de la police. Nous en arrivons à une conclusion surprenante. Il ne s'agit pas seulement de criminalité. Il s'agit de quoi alors ? On pense que Shredder et Krang préparent une invasion. Quoi ? Une invasion ? Une invasion extraterrestre ? Peut-être, on n'en sait pas plus. Mais ce qui est sûr, c'est que cette nouvelle variable ne présage rien de bon. Oh, bon sang. Cool, des envahisseurs de l'espace. Non, ce n'est vraiment pas cool, Michelangelo. Je crains que notre famille ne fasse pas le poids cette fois. Mais tu l'as dit toi-même, père. Notre honneur nous commande d'intervenir, quelle que soit l'ampleur du problème. Ouais, les flics sont débordés. À nous de jouer. Pas question d'abandonner. Non. Il n'en est pas question. On ne connaît pas exactement la position de Shredder et de Krang, mais ils sont forcément quelque part en ville. Ça, c'est sûr. Eh bien, c'est notre meilleure piste. Il faut continuer à les chercher jusqu'à ce qu'on les trouve. Et Maître Splinter et moi, on va continuer à chercher et on vous tient au courant. Les scanners de la police ont détecté des bombes dans toute la ville. Leur brigade de déminage fait son possible pour les désamorcer. Mais elle ne peut pas être partout, alors à nous de jouer. Et comment on est censé s'y prendre exactement ? Il faut qu'on agisse vite. Les détecteurs indiquent que cet immeuble est truffé de bombes qui risquent d'exploser à tout moment. Pourquoi les Foot voudraient-ils détruire des gratte-ciels en construction ? Parce qu'ils sont stupides, voilà pourquoi. Comment ça, à tout moment ? Tu veux dire, genre, dans les 10 prochaines minutes, c'est bien ça ? Oui, Mikey, c'est ça. On a 10 minutes, à peu près. J'espère. Te vexe pas, Donnie. Mais t'es pas très encourageant, mec. Visiblement, ils envisagent de poser bien plus de bombes. Vous devez les en empêcher. Désamorcez les bombes avant qu'il soit trop tard. Bien joué, les garçons. Il ne devrait plus en rester. Pitoyable mutant ! Préparez-vous ! Karai est là ! Oh non ! Je sens qu'on va vraiment pas s'ennuyer. Parce que tu trouves qu'on se la coule douce avec toutes ces bombes posées par les Foot ? Je crois que Léo fait allusion à autre chose, Raph. Ouais, si Karai est là, c'est qu'elle doit être avec eux. Merci pour ton aimable collaboration. Ça laisse tomber, Karai. Tu n'as nulle part où aller. Vraiment, tu crois avoir gagné, mutant ? Mais tôt ou tard, tu périras avec le reste de la ville. Attention ! Ce réacteur dorsal ? Génial ! Génial ou pas, on peut dire que c'était une sacrée ascension. Ouais, tu l'as dit. Si on veut avoir une chance de sauver la ville, il faut qu'on obtienne des réponses, et vite. Et des réacteurs dorsaux. Mikey, la ferme. C'était une idée.
Hazel vient de m'envoyer des infos, Denis. Il dit que les caisses sont jonchées de conteneurs renfermant une étrange technologie. Kazé a essayé d'y jeter un œil, mais des gardes pas commodes l'en ont empêché. Ils doivent transporter leur technologie jusqu'au quai via les conduites d'égout. On dirait que les Foot et Krang préparent une guerre totale. Ok, c'est bon pour moi. S'ils veulent la guerre, ils l'auront. Ils utilisent les égouts pour faire passer de la marchandise en douce. Et mon petit doigt me dit qu'Armagon dirige les opérations. Quel intérêt ont-ils à inonder ces égouts? Je ne comprends pas. C'est dingue, les gens jettent vraiment n'importe quoi dans leurs toilettes de nos jours. Bon, Raph, tu l'as entendu. Il a du sang royal. Tu lui dois le respect. Hé, l'affreux! On a déjà quelqu'un qui se prend pour un roi, ici. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent absolument tous devenir le roi des égouts? Les projectiles volants sont plus près qu'il n'y paraissent. Ça démarre. On se contrôle! Justement, je me sentais un peu seul. Ressaisis-toi! Mieux vaut tard que jamais! Bien joué, frangin! Allons-y! Je voulais te donner l'occasion de montrer ce dont tu es capable. Non mais sérieusement, pour qui il se prend, cet abruti de Poiscaille? Ah! Amusez-vous, imbécile! Mais sachez qu'Armagon régnera bientôt sur les océans de ce monde! Vous allez tous disparaître! Et je serai le roi! Bon sang! Il a filé! Comment il peut nager là-dedans? C'était que... Régnera sur les océans? Waouh, ça devient de mieux en mieux! La technologie des conteneurs est peut-être la clé. Mais par étrange, April voulait dire qu'elle n'a pas tout à fait l'air humaine, mais plutôt extraterrestre. Je vais prendre une photo et l'envoyer à April pour qu'elle l'analyse. Et regarde ça, frangin. Selfie de Kitty. Regardez, encore un autre! Mais t'es sûr que c'est pas un astéroïde ou un truc du genre, Denis? Après, il m'a envoyé un texto. Des ovnis ont été repérés dans le secteur. Et en même temps, des comportements étranges ont été signalés par la population. Dan, t'aurais pas vu ces clowns dans le coin? De toute façon, je pense qu'il faut être dérangé pour lui dire. Vous avez déjà dû en voir quelques-uns, mais je détecte un paquet d'ovnis autour de vous. Et c'est pas tout. Apparemment, Wingnut est à leur tête. Dehors, il fait un temps épouvantable. Attention à ne pas vous envoler du toit. Léo est sur la scène de crime. Ça y est.
Ça suffit, maudite tortue! Pourquoi vous me regardez comme ça? Méfie-toi, Raph. Les plus tarés sont bien souvent les plus dangereux. Ouais. Pourquoi vous me regardez? Dans la gueule du loup. Et moi, qui trouvais que le général Krang avait du mal à se maîtriser. Waouh ! Et si cette vieille boîte de conserve vous amuse, c'est que vous n'avez encore rien vu. Oh non, c'est pas ce que je... C'est pas ce que je voulais dire. Quelque chose arrive. Quelque chose de plus... Quelque chose de plus amusant. Attention! Genre, rencontre du troisième geek. Non mais sérieusement, c'est une blague? Attends. T'es en train de me dire qu'on a couru dans toute la ville pour éteindre des feux insignifiants alors que le gros de l'incendie fait rage à l'endroit le plus évident? Je sais que c'est dur à croire, Raph, mais c'est pourtant la réalité. Réfléchis un peu, Raph. Les canons spatiaux de Slash, les ovnis de Wingnut et la matrice de diffusion de particules qu'Armagon essayait d'introduire dans les égouts. La matrice de diffusion de quoi? Une matrice de diffusion de particules. J'ai fait des recherches avec la photo envoyée par Donnie et j'ai pu trouver ce que c'était. Ouais, on sait, April. Un selfie de geek. Très drôle. En fait, il se trouve que le diffuseur a délié les particules de tachyon pour former un portail dimensionnel. Bon, j'aurais dû me taire. Ouais, je suis largué là, en fait. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a qu'un seul endroit en ville où l'on trouve tout ce qu'il faut pour manipuler des appareils aussi sophistiqués. Le TCRI. Ouais, le TCRI. Mais si Krang et Shredded ont une telle technologie, pourquoi envoie-t-il Rocksteady, Karai et ce décérébré Bebop détruire des trains, démolir des immeubles et dévaliser des banques? Une diversion. Il semait le chaos pour nous occuper pendant que Krang et Shredder mettaient au point leur arme secrète. Maintenant qu'on connaît leur secret, on n'est pas plus avancé. On n'a jamais réussi à entrer dans le TCRI, alors je vois pas comment on y arriverait ce soir. Il va falloir trouver un moyen. S'ils sont vraiment en train de créer un portail interdimensionnel, on a de quoi s'inquiéter pour la sécurité de la ville. On les laissera pas faire. On trouvera le moyen d'entrer dans le TCRI, d'une manière ou d'une autre. Ok les gars, Krang est au dernier étage. Il faut qu'on soit rapide, silencieux et prudent. Hé hey, Léo, on croirait entendre Maître Splinter. Pas du tout, Raph. Maître Splinter dirait... Mes garçons, rappelez-vous que nous devons nous efforcer d'atteindre la vitesse de l'ennemi, sa furtivité et... Léo a raison. Cet endroit est sûrement placé sous haute surveillance et truffé de systèmes de sécurité. Et ils doivent avoir des jeux vidéo de malades ici. Vous êtes entrés facilement. Peut-être un peu trop, d'ailleurs. Pour le moment, ils ne vous ont pas repéré, mais essayez d'éviter les caméras de sécurité. Hein ?
Vous avez entendu? Il est général maintenant! Notre petit bloc Paul gravit les échelons! Ce qui est très impressionnant quand on sait qu'il n'a pas de membres. C'était une métaphore, Mikey. Oh, ce sont les plus difficiles à gravir. C'est fini pour toi. Ici Krang, lancez l'invasion. Immédiatement. On dirait que c'en est fini pour vous, imbécile. Et maintenant, les mecs? Qu'il a, Raph? Il enrage parce qu'on s'est encore fait avoir. Il n'y a pas de portail dedans. Les gars, j'ai une bonne et une très très mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que je sais où se trouve le portail. Et la mauvaise nouvelle? Ce serait pas un Krang géant qui traverse un portail dans le ciel? Ok, Denis, comment on arrête ça? Il va falloir qu'on monte tout là-haut. Le portail n'a pas l'air complètement ouvert. Si on réussit à monter assez haut, on pourra peut-être le fermer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas en restant dans les égouts qu'on y arrivera. Quoi que vous fassiez, vous devez le faire vite. La police et l'armée ne peuvent rien contre les droïdes Krang. À vous de jouer, les garçons. Désolé, Terrien, mais toute votre base nous appartient. Oula, Mike. Waouh. À la première invasion interdimensionnelle, tout le monde perd son sens de l'humour. Raphaël, du calme, je te prie. Crois-moi, ce n'est pas le moment de plaisanter. Et ce n'est certainement pas le moment de se déconcentrer. Non, et il est temps pour nous de régler ça. On a déjà eu du mal à battre le petit Krang. Alors je vois vraiment pas comment on va pouvoir arrêter un géant céleste. Aucune arme conventionnelle ne le neutralisera. Il nous faut plus de puissance de feu. Ouais, comme des lasers. Des tas de lasers. Et de la chance. Beaucoup de chance. Vraiment, des tonnes de chance. Un semi-remorque entier. Je suis d'accord. Il vous faut plus de puissance de feu. Commencez par éliminer quelques sbires. Je vais réfléchir à un plan. Oh non, un droïde Krang! T'as pas choisi le bon jour pour te frotter à moi. Alors j'ai du mal à respirer, à bouger, à cligner des yeux. Ah!
ils n'ont pas encore attaqué d'autres zones. Mais ce n'est qu'une question de temps. Je crois que j'ai localisé des planques ennemies. Allez vérifier sur place. Une petite pause s'impose. Retournez au repère dès que vous le souhaitez. Prends le sort, l'artillerie lourde. Ça va chauffer. Surpuissante explosion énergétique de force laser de Mécarobo. Méga attaque de missile ninja. Si Megacrank franchit ce portail, ça sera fini du pays. Peut-être même du monde. Vous devez l'en empêcher. Misérable terrier. Megacrank va vous massacrer. Il est encore plus impressionnant vu de près. Nous aussi on est impressionnant. Et on est quatre, ce qui rétablit l'équilibre. Ici la photo guidée. N'est plus là, mais il y a toujours un gros trou dans l'espace. Oh, qu'est-ce que... April, qu'est-ce qui se passe? Ce que je vois ici est très inquiétant, Donnie. Le portail réagit au bâtiment du TCRI, et la consommation électrique est hors norme. C'est comme si quelqu'un générait une sorte d'impulsion capable de détruire la ville. Il faut qu'on monte là-haut, et vite! April, c'est seulement une hypothèse, mais... Est-ce que le dispositif de commande ne serait pas à l'héliport? Oui, et si l'énergie du portail arrive à saturation, toute la ville sera rayée de la carte. Alors, on a combien de temps? Je ne sais pas. Mes garçons, malgré l'énorme danger encouru, nous ne pouvons pas rester sans rien faire, tandis que des gens sont en péril. Père a raison. Il faut qu'on intervienne. Ouais. Mais si on n'y arrive pas à temps... Fiez-vous à votre entraînement. Faites-vous confiance. Et vous en sortirez victorieux. Maître Splinter a raison. Vous pouvez y arriver. Ok, les gars. Alors, si on veut y arriver, il va absolument falloir qu'on monte au sommet d'immeuble. Eh bien, l'heure du châtiment a sonné. Ça va être la baston là-haut, Raph. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas question de reculer avant le combat final. On est des héros. Ok? Ok! On y est, les gars. Il faut tenter le tout pour le tout. Ok,
Le niveau d'alerte vient d'exploser. Ça marche. Shredder ! Oh non ! La galère, c'est de pire en pire ! Tu vois ? Il est pas doué pour les encouragements. Laisse tomber, Mikey. Faut trouver un moyen de l'arrêter et de fermer ce portail, sinon la ville est perdue. Plus facile à dire qu'à faire, Tortue. Regarde. Tenez bon! Krang et son monstre ont peut-être échoué, mais ce ne sera pas mon cas, je vous l'assure. Le portail est désormais sous mon contrôle, et dans quelques instants, l'énergie qu'il renferme sera libérée. À présent, je vais détruire cette ville et montrer au monde entier ce dont je suis capable. Bientôt, je régnerai en maître. Mais d'abord... C'est fini, Shredder. L'histoire s'arrête là. Quand on en aura fini avec toi, t'auras besoin d'un ouvre-boîte pour enlever ton armure. Pitoyable mutant, vous pensez avoir la moindre chance. Vous êtes encore plus idiot que je le croyais. On me le dit souvent. Attendez, quoi ? Essaie de ne pas tomber de la plateforme, Mikey. Soupe de tortue au menu de ce soir. Je vais finir ce que j'ai commencé il y a si longtemps. Avancez ! Il y a du beau travail, Mikey. C'est parti. Plus de Monsieur Gentil Tortue. Fêtez cette victoire tant qu'il en est encore temps, mutant. Votre destruction est imminente. Les commandes ont été désactivées. Et vous êtes tous... condamnés ! Attention ! Il a peut-être un réacteur dorsal comme Karai. Je crois pas, non. Un parachute ? Non. Bon débarras. Les gars, vous savez ce que Shredder a dit à propos de la neutralisation des commandes du portail ? Il aurait mieux valu qu'elle fonctionne encore, hein ? Ouais. Désolé. Dépêche, Donnie ! Ouais, pourquoi c'est si long ? Les commandes principales sont HS. J'essaie d'accéder aux commandes secondaires, mais les données sont cryptées. Il me faut un peu plus de temps. Ah !
les mecs, qu'est-ce qui serait mieux que des parachutes? Laisse-moi deviner, une pizza? Non. Des réacteurs dorsaux! Mikey, t'es un génie! Je sais, mec, je sais. Mène-toi, Donnie, faut qu'on sorte d'ici! Je peux pas, j'ai pas encore déchiffré le code. Si j'arrive pas à arrêter ce truc, des civils mourront. Je dois continuer. Partez sans moi! Pas question, Don. Si tu restes, nous aussi. Ouais, pas question d'abandonner un de nos frères. Oh, finalement, j'aurais préféré de la pizza. Ce que l'honneur nous commande de faire, April. Vous avez sauvé la ville. Et maintenant, on rentre à la maison. Donnie, terminé. Tu crois que... Non. Bah allez, on y va. Je crois que c'est officiellement l'heure de la pause pizza. Ouais, enfin. Je pourrais en manger une centaine à moi tout seul! Dites, vous croyez que le sac rempli d'argent de Bebop est toujours dans le coin? Mikey! Je plaisante! Mais faut que tu l'admettes, une commande de 5000 graissins, ce serait cool.
Merci d'avoir joué. Merci d'avoir joué. Merci d'avoir joué. Merci d'avoir joué. Merci à tous d'avoir joué. Merci d'avoir joué.